Bon, salut, c'est Barof, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Resident Evil 4. Alors là, on est en mode normal, hein. Je voulais vous le faire en live, sauf que j'ai commencé mon live et au bout de 30 minutes, on me dit connexion interrompue, machin, bref. Donc très très mauvaise connexion et donc du coup, bah, j'ai pas pu vous continuer tout simplement. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que on va faire la série. Du Resident Evil 4 là, enfin du Resident, mais on va le faire en version normale quoi, hein, comme un let's play classique, voilà. Donc sauf que je vous ferai des épisodes normalement d'une cinquantaine de minutes. Voilà, donc pour commencer, donc mode normal, donc le mode est normal est différent, hein, du mode facile. Il y a plus d'ennemis, les pièges, il y a plus de pièges aussi. Ils sont tout n'est pas situé au même endroit dans le jeu. Donc finalement, lorsqu'on fait le mode normal, on a plus de difficultés aussi bien dans les pièges que dans les ennemis. Voilà. Donc je ferai toujours en parallèle un petit épisode bonus qui démarrera et qui s'arrêtera au même point de sauvegarde que le mode normal. Hein. Donc le mode bonus avec le lance-roquettes infini. Pour vous rendiez bien compte de la différence. Et puis moi pour le fun, simplement, on se galère, je me galère assez comme ça, avancer dans le jeu. C'est toujours fun de pouvoir, à côté de ça, se le faire d'une manière beaucoup plus simple. Voilà. Donc du coup, ben, on fait le. Je vais devoir me refaire, hein, parce que là, je tourne à la suite du live qui a planté. Donc je dois me refaire toutes les cinématiques, tout ça. Mais c'est pas grave, j'adore ce jeu, donc c'est pas trop grave. Bon, alors maintenant, on va découvrir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fichue armoire? Allez, c'est parti. Bon, déjà, c'est pas un zombie. Bonne chose. Ah, little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay, I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Perfect. Ça pue. The big cheese. What? Big boss. Avec son œil de verre. Donc on va pas sauvegarder ici, on va sauvegarder un petit peu plus loin, vous verrez. Mais non, 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 j'annule, je ne veux pas sauvegarder. Feeble humans, let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this. Intoxicating power. Hey, hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy
who happens to be quite the ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Allez, Dieu qui va bien. Do something, cop. After you. Now. Voilà. Attends. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Donc, vous l'avez compris, on va devoir retourner au village pour trouver un passage qui nous amènera à l'église, là où est peut-être où on va découvrir d'autres indices. Hein. Alors, on sort. Et là, on découvre un nouveau personnage. On va aller lui dire bonjour et on reviendra ici ensuite sauvegarder. Alors, déjà d'abord, on va faire un petit tour de la zone. Hop. Et ensuite, on s'occupera de cette zone-là. Et vous allez voir que c'est pas forcément une paire de manches. Alors, ici, très bien. Ok. Ensuite. Faut pas qu'on s'approche de trop de l'entrée parce que je crains qu'il puisse nous détecter. Donc on va d'abord commencer par vendre les trésors. Bon, je sais, pour les médaillons bleus, on a commencé à se les faire déjà dans le dernier épisode. Alors, on va vendre. Non, pas le fusil à pompe. On va vendre des spinels. Hop, 2000, voilà. On vend le pendentif. Très bien. Ensuite, on achète la mallette. Très bien. La carte au trésor. On achète le fusil. Hop. Qu'on va pouvoir placer où ? Bah ici, parfait. On va acheter également. Non, pas le lance-roquette, même si ça fait envie. Ah, il a 30 000 quand même, le lance-roquette. Deux lunettes du fusil qui prend L3 cases. Ah, zut alors. Tac, voilà. Ensuite, bah tiens, on va mettre les soins ici. Voilà. Hop, je fais ma petite tambouille là. Hop, allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On peut pas racheter de spray, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut peut-être optimiser quelque chose? Pistolet pour l'instant, fusil à pompe. Non, on va rester avec ça pour l'instant et dans cet état-là. Pour une raison simple. Attendez, je crois qu'il y a des choses aussi derrière là. Ouais. Il va y en avoir d'autres matériaux. Comment dire, d'autres trucs à trouver.
d'autres armes un peu plus tard qui seront mieux que celles qu'on a là. Donc si on dépense trop d'argent pour ces armes là, c'est bête parce qu'on va devoir s'en débarrasser. Alors oui, il nous les rachètera plus cher, mais je ne crois pas qu'on soit gagnant de tout, quoi qu'il en soit. Alors on va prendre le fusil à lunettes, il est là. D'abord on combine la lunette, voilà, on s'équipe. Est-ce que d'ici on peut avoir quelqu'un ou quelque chose? Eh oui, on peut avoir celui-là peut-être. Ouais, non, je crains qu'avec le décor, ça pose problème. Alors, on va se mettre par ici. Non. Il y a celui-là là-haut. Un autre à droite là-bas. Je sais pas de bêtises. Il y en a pas un par ici. Il est là. Allez, montre-toi. Pas évident, hein, parce qu'il a. Vous voyez, ça bouge sans arrêt. Oh, headshot, excellent. Moi je dis GG Barof. Alors, parce qu'avec ce fusil là, wow, c'est chaud patate quand même. Hein, de faire du headshot. On en aura un autre qui sera beaucoup plus après. Ah zut. Toi. Hop. Ah zut, j'étais là. Ok. Sinon, suivant. Ah oui. Hop, on velote. Voilà. C'est bon. On recharge. Ensuite. Ok. Là. Rien. Voilà. C'est étrange, c'est qu'il y a autant de mecs qui vont apparaître. Une fois qu'on sera sur la zone, vous allez voir un paquet de mecs qui va apparaître. Et d'où est-ce qu'ils sortent? Alors là. Oh tiens lui. On fait ensuite. Voilà. Bien, tout ça c'est ça de moi à faire parce que j'ai eu le temps de faire ça tout à l'heure pendant le live, que vous ne verrez pas. C'était chaud chaud chaud. Allez, on va voir si on peut encore se permettre un petit tir d'ici là. Ça serait bien de se faire un mec encore. Ah bah tenez, regardez, il y en a là. Allez, il tombe, il tombe pas. Ah merde. Alors, ah! Alors, elle est où la visée là avec son flingue? Ah là 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 là! C'est là ce qu'il cherche en fait, il m'a pas vu. On va le prendre de l'autre côté. Hop! Je suis là, t'es où? Ah, s'il arrive! C'est bon, il m'a vu. S'il vient tout seul. Oh la vache en merde! Je m'attendais pas qu'il soit si près d'un coup. Ah c'est bon. Bon, ça commence fort. Je suis déjà à la moitié de ma vie. Ah bah c'est bien, il y avait un mec derrière. Ça, il va venir nous chercher lui je pense. Voilà. Voilà, parfait. Un en moins. On se prend une petite herbe. Non, par contre, on va combiner celle-là. On va attendre un petit peu encore. Ah oui, vous savez quoi? Parce que j'ai
pas fait, c'est que j'ai pas sauvegardé. Voilà. On peut sauvegarder maintenant, c'est pas très grave. C'est pas parce que je me tiens les côtes que je vais pas m'en sortir. Mais au cas où, au cas où, hop. Ok. Allez, du coup, on va faire ça. On va prendre ce chemin ici. Parce qu'ils vont venir chercher, hein, ce qu'on va faire. Alors, pardon pour eux. Si vous m'avez entendu pousser. Parce que là, vous voyez, ils vont venir, c'est sûr. Allez, on va reprendre différemment. C'est parti, mon kiki. On va se barrer par là directement. Hop. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ils sont déjà nombreux. Hop. Voilà, c'était ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire de tous les exploser grâce à leur dynamite. Hop là. Alors ça, je pense que je fais ça parce qu'il faut que je prenne les devants un petit peu. Lui, il est tout seul, très bien. On va se le faire tout de suite. Voilà. Non, non, je vais pas avoir le temps, du coup, fraf. Ah, tant pis, on va jouer de la prudence. Restez coupés, les gars. Voilà. Petite grenade, peut-être... Ouais. Et hop. Voilà. J'ai bien fait parce que j'aurais pas eu le temps de recharger mon frère. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on reprend le fusil. Ouais, maintenant c'est pas bien voulu, c'était m'en envoyer quelques-uns d'ici. Tiens, lui là-bas par exemple, au fusil lunettes, j'ai récupéré des mines. Hop, toi, voilà, parfait. Quoi, vous êtes où les gars? Ah, oh la surprise. Ah, ah non, mal filtré. Ah là 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 là. Pas joli, toi. Une grenade encore. Hop. Et ensuite, le fusil, on récupère. Tant pis, j'ai qu'une cartouche. En espérant que ça suffira ou pas. Ouais, c'est bon. Allez, on gère. Non, j'ai plus rien, donc maintenant il faut déjà que je me soigne. Voilà, et maintenant on va prendre le petit flingue, tant pis, hein. Merci, merci mon grand. Hop là,
Ah non, mal, je me suis mal débrouillé. Voilà. Il nous donne rien. Lamentable. Wow. Ah les enfants. Est-ce qu'il me reste une grenade? Bah rien, n'a plus que ça à prendre, hein. En plus il me reste plus que deux cartouches, la misère. Allez, on remonte. Hein. On va faire ça, on va prendre un peu de distance, le fusil et lunettes. J'ai pas tellement le choix. On va le laisser venir. Ah, en plus j'avais le trésor aussi. Allez, on récupère ça, tac. Emblème, une partie d'emblème. Alors les gars. Ah oui. Quand même. Ah bah c'était le dernier, parfait. Je m'en sors tout juste, hein, vraiment sur le fil. Donc vous verrez, on la fera. On fera cette partie du jeu en mode en mode facile, vous allez voir que c'est autre chose. Hop, voilà, tac, on rentre là-dedans. On va faire le... Voilà pourquoi je voulais aller là en premier, parce que... Il y avait ces munes, mais mon erreur, ça a été de rester sur place. Ça, c'est clair que j'aurais pas dû rester ici. J'aurais dû avancer. Alors, voilà. Tac, on récupère le petit. Tac. Est-ce qu'il y a autre chose ici? On fait vite fait. Check. Là, non. Rien. Là, ah, si, attendez, j'ai entendu. J'ai pas vu un... Ah oui, une grenade flash. Ça, c'est bien. Ici, hop, y a rien, merci beaucoup. Hop, on saute ici, on monte. On a la deuxième partie du trésor, enfin du trésor, voilà, du symbole à reconstituer. Ok, je crois que de toute façon, au milieu de la maison, on a fait le tour. Hop. Bon, des sous, c'est déjà ça de prix à prendre, voilà. Grimper. Bon, je vais aller voir, mais je crois que c'est bon, hein, on avait tout vu. Ah non, non, loin de là. Hop, très bien. Ok, il y a autre chose ou pas? Ok, c'est good. Du coup, sauter, hop. C'est fait. Alors ensuite, allez, soyez sympa, filez-moi quelques munitions. Mais non, pas des... Bon, voilà, là, c'est pas ce qu'il y a de mieux à utiliser pour l'instant, ça. Ah là 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 là. Ok, à l'intérieur on peut rentrer, oui. Bon, par contre là c'est pareil, hein. Il n'y a plus de musique, donc on n'aura pas la surprise d'avoir un ennemi planqué quelque part ou genre de truc. Hein. Il y a, hein, des moments où on va être surpris par un ennemi, mais pas quand on est sur des zones comme ça qu'on a nettoyées. Là, il y a un qui traîne, non. Hein, que je réfléchisse si j'ai rien oublié, et il y a ici, on va aller voir là-haut, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Que dalle, allez, on redescend.
Ouais, je suis prudent, hein. J'essaye de bien checker la zone pour m'assurer que je suis passé à côté de rien. Hop, les symboles. Oh, il faut qu'on le fasse nous-mêmes, ils abusent. Et on l'utilise, voilà. On y va. Donc, du coup, maintenant, je crois qu'on va devoir se rapprocher du village. Ah oui, vous faites, dis donc. On a un trésor ici, d'accord. Ok. Le village, il est où? Ah non, il est là. Ça, c'est le village, donc ça, ça doit être... Ça doit être... Bah, je sais pas ce que c'est, en fait. Je me rappelle plus. Alors... C'est agaçant parce qu'on entend des bruits. Hein. Si vous écoutez le, si vous suivez la vidéo avec un casque, vous pouvez vous en rendre compte aussi. On entend des petits bruits, des... comme s'il y avait du monde. Hein. C'est un peu stressant parce que du coup, on sait jamais trop si on va tomber sur quelqu'un ou pas. Tiens, j'en profite pour faire ça. Je sais pas s'il y avait plus de. Non, c'est bon. On était au max au niveau du chargeur. Ok. Hop. Là, voilà, pareil. Hop. Ah oui, c'est vrai, il faut pas que j'oublie ici, c'est de doubler mes coups de couteau à cause de ces fichus serpents. Et puis ça vaut le coup de les tuer en plus, hein, parce qu'ils nous filent quand même des œufs qui sont qui nous redonnent toute notre vie, il me semble. Très bien. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, alors là, c'est pareil, c'est une zone pas facile. Mmh. Donc là, ici, on a ce trésor-là récupéré. Et là, rien. Ok, alors on avance. Ah bah écoute, viens par là toi. Viens toi tout seul déjà, ce sera une bonne chose. On se fera les autres après. Je récupère tout seul. Rentre bien dans la pièce, voilà. Voilà. Est-ce qu'il nous file de l'argent, sans que je sois pris. Est-ce qu'il y en a un autre qui est dans la pièce? Ouais. Hop. Il file un truc? Très bien. Ok, encore un. On part là. Ah! Fusil. Et fusil. Non, non, pas celui-là. Déçu hein, comme ça avec l'argent, mais bon, c'est vrai qu'actuellement je suis plus en demande de munitions que d'argent, hein, même si l'argent va être nécessaire également. Alors, on va pas bondir, voilà. On va éviter de faire l'imbécile. Ok, super. Là par contre on va bondir et on va s'accroupir. Accroupis-toi. C'est bien, ce qu'ils se tuent eux-mêmes, c'est parfait. On va prendre. On va attendre qu'ils apparaissent. Hop. Hop là. C'est bon?
Ah bah celui-là c'est bon. Parfait, hop. Il y en a un derrière la porte, hein, mais je crois qu'on peut pas l'avoir comme ça. Il va pas se pointer. Oui, il veut pas approcher. Bon. Alors on va le chercher, on n'a pas le choix. Donc on reprend. Petit flingue et on va faire attention à pas se foutre les pattes dans les pièges. Alors, ce serait bête de perdre la vie bêtement pour ça. Non, pas bon tir. Enfin, il est tranquille, vous. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ah ouais. Une, très bien. Regardez, il est là, lui. Avec un peu de chance, on peut se le faire en une bastos. On va essayer. Ah, ça va être compliqué quand même. Est-ce qu'on a un deuxième qui arrive derrière? Ah bah non. Alors après, c'est vrai qu'à chaque fois, si je fais ça, le gars, il a du... Il lâche des items. Voilà, ça c'est bon. Il faut que je puisse aller les chercher. Je vais y aller comme ça, voilà. Avant que ça disparaisse. Non, 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 non. C'est ça que je voulais faire, mais je suis trop loin encore. Voilà. Très bien. Là, on récupère. Très bien, Spinel. Là, on va faire gaffe. Et on récupère que dalle ma cache wall. Très bien. Alors, on continue à avancer tranquillou. Il n'y avait que deux fours, hein, de toute façon. Un, deux, voilà, c'est ça. Alors, on va faire le tour. On va essayer de ne pas se faire brûler les pattes. Le chemin, il nous indique toujours le deuxième trésor qui est à gauche. Là, on rentre après dans cette pièce-là. Allez, on bondit, hop là, on récupère le masque, parfait. Alors moi, il y a deux adversaires que j'appréhende vraiment dans ce jeu, du coup avec le mode normal. C'est Crozer évidemment, et puis ensuite des insectoïdes là qui volent. Parce qu'il y a ceux qui sont invisibles à un moment donné, mais il y a ceux qui volent aussi. Et ceux-là, waouh. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. J'y arrive pas à jouer correctement face à eux. Mais je pense que c'est ma technique qui pêche. Hein, Alors, ici. On avance, tranquillou, tranquillou. Voilà, on descend. Alors là, là il va falloir aller chercher ça déjà. Hop, il n'y a pas autre chose qui traîne. Voilà, si. Très bien, très bien. Et maintenant, il va falloir se faire les poissons là-bas. Poisson, très bien. Celui qui est ici. Celui-là il est gros. Voilà. Bon, alors on va essayer de se les faire au flingue du coup. Si c'est possible. Voilà, voilà. Voilà.
Ok. Alors ceux-là, on peut soit les... Soit les... Il est ouf. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Nickel. Soit on les... Comment dire... On les consomme parce qu'ils apportent de la vie. Ah merde. Alors, attendez, il faut que je range tout ça. Soit on les... Tiens, on va utiliser celui-là déjà. Voilà. Hop. Soit on les revend. Et moi je vais les revendre parce que ça rapporte. Ça rapporte pas mal. Alors ça, très bien. Ok, ça, on va le combiner avec ça. On gagne un petit peu de place comme ça. Ok. Et normalement, je crois qu'on les a tous. Ou pas. Ah non, il reste un là-bas. Voilà. Prendre. On le prend. Et on devrait pouvoir lui trouver une petite place. On va lui trouver une petite place. Voilà. Très bien. Et alors maintenant, prochaine sauvegarde, faut que je regarde parce que on va regarder sur le plan, parce que je vais peut-être devoir faire demi-tour du coup pour récupérer, pour me vendre mes poissons et récupérer de la place, parce qu'autrement je vais pas pouvoir, ça va être plutôt galère, parce que là il y a sauvegarde, mais il n'y a pas marchand, voilà. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire. Je vais faire une petite ellipse, je me débarrasse de tous mes poissons là, hein, et je vous reprends juste après. Bon, voilà, alors, j'ai fait le ménage dans mon inventaire, on va pouvoir continuer, en espérant qu'il ne m'arrivera pas de galère jusqu'au prochain point de sauvegarde, parce que je n'ai pas sauvegardé justement. Donc on a deux corbeaux ici, déjà on va s'en faire un, en espérant, voilà, c'est bien, ça n'a pas effrayé le second. Est-ce que ça va suffire pour se faire le troisième? On va voir. Ce que j'aimerais bien, c'est que... Alors, bon, on va le faire différemment, puisque j'y arrive pas avec ça. Voilà, hop. Voilà, nickel. Bon, c'est un peu bourrin encore une fois, hein, mais c'est sûr. Hop. On va tout de suite récupérer les items. Oh, munitions, fusil à pompe, formidable. Ensuite, on va récupérer. Je crois qu'il est, voilà, qu'il est là. Hop. Tac. Ouais, hein, j'ai une mauvaise habitude. Enfin, mauvaise, non, mais c'est vrai que la moindre cartouche, en général, je recharge. Je suis super prudent à ce niveau-là parce que le nombre de fois où on peut oublier de recharger dans la, comme ça dans l'action, et puis finalement à un moment donné, on se retrouve comme une nouille à cause de ça. Alors ce jeu est assez compliqué comme ça au niveau des vitesses de rechargement, sans pour autant en rajouter. Hop là, voilà. Ensuite... Ayuto. Ah non, non, il n'y a personne. Ok, ouf. Ok, alors on avance. Ah oui, d'accord, je m'arrête. Il y a cette petite énigme là. Parfait. Une grosse bouse du crital, gnagna, dirait qu'elle peut tourner. Dans quel sens on va la faire tourner? Déjà comme ça pour voir. Est-ce que c'est ça ou pas? Ah mais non, je suis bête. C'est comme ça, non? Voilà, tout simplement. Ok, ça nous ouvre une porte secrète. Ok, là, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer quelque part? Pour regarder un petit peu la vue, un tiroir à ouvrir, des munes, très bien. Bien sûr que je prends. Oh, des insignes. Donc ça c'est des livres. Ah tiens, attendez, qu'est-ce qu'on a là? Note du chef.
Comme l'a ordonné Lord Sedler, j'ai emprisonné l'agent. On ne l'a pas tué. Pourquoi? Je n'ai aucune idée des intentions du Lord. Je pense qu'il aurait mieux valu les séparer au lieu de les laisser ensemble comme ça. Je ne crois pas que Louis se fera confiance à un inconnu, mais s'il venait à collaborer, la situation pourrait devenir délicate. Si un troisième groupe est impliqué dans tout ceci, je ne pense pas que ce groupe laisserait passer une telle aubaine. Un troisième groupe. Peut-être s'agit-il d'une ruse de Lord Sadler, qui consiste à nous rendre vulnérables pour que ce groupe se dévoile, si tant est qu'il existe. C'est peu probable, mais si le traître est déjà parmi nous, notre plan risque d'en pâtir. Le Lord doit estimer qu'il est justifié de prendre ce risque si on réussit ainsi à arrêter l'ennemi. Quoi qu'il en soit, sa décision est prise. Nous devons lui faire confiance. Oui, oui, c'est bien. Faites confiance, les gars, faites confiance. Aïe! Tu t'es ou pas? Je sais plus. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Sauvegarder. Non, pas maintenant. On continue. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados. Los Illuminados. That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese in this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Ouais, il y a plus important que déchiffrer des énigmes, surtout que... Voilà, c'est sûrement l'énigme la plus compliquée du jeu, hein. Quand on voit l'ensemble des énigmes du jeu. On va pas s'en plaindre, remarquez, mais... Donc, nous on arrive d'où? Je sais plus déjà. Donc nous on va aller par là, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, voilà pourquoi j'ai pas sauvegardé, hein, parce qu'il y avait un point de sauvegarde juste là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau du tableau? Non. Dehors, il y a quelque chose à voir ou pas? Je crois que par contre, il y a une petite anime, hein, si on revient en arrière. Allez. On va tenter le coup. Voilà. Ah bah bravo. Le beau tableau. Ça va nous permettre de voir effectivement la troisième personne. Bon, par contre, ouais, avec le... Une femme en rouge. Non, elle était pas en rouge, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que dans le... Si ce personnage a sa tenue normale, elle a une robe rouge plutôt sexy. Elle est pas dans une tenue de commando, quoi. Mais bon, elle est nettement plus crédible dans sa tenue là par rapport au jeu, hein, par rapport au scénario, que d'avoir une espèce de robe du soir là, hyper ouverte sur les jambes, complètement échancrée. Donc le tableau représente l'église. Okay. Alors, on va pas aller là, parce que là, on va juste gaspiller nos munes. Il y a un mec dans les toilettes, et si on s'en occupe pas, normalement, il vient pas nous embêter non plus. Là, rien. Là, est-ce qu'on a quelque chose? Non, on va ouvrir de l'argent. Ok.
même des livres. Eh ouais. Très bien. Là, on prend la grenade, grenade incendiaire. Parfait. On va examiner. Voilà. On dirait que les occupants de cette maison mangent comme des êtres normaux. Ouais. Ça, c'est moins évident. Donc là, non. Alors, je regarde les tableaux parce que. Il y a certains endroits, il y a des tableaux qui derrière lesquels il y a des trésors. Hein. Donc comme je les connais pas tous par cœur. Et un petit œuf de poule. Donc le brin nous fait récupérer de la vie, mais c'est pas énorme. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire. On va s'arrêter là. Hein. Donc prochaine vidéo du jeu, ce sera ce même épisode sans les cinématiques et en mode facile avec lance-roquette infinie. Donc, qui devra prendre, je pense, deux fois moins de temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, les lives, bon, on va oublier, hein, parce que moi, je pensais vraiment pouvoir vous en faire hein, ce soir. Et grosse, j'ai trop de problèmes de connexion. Donc, du coup, on va reprendre la série jusqu'au bout en mode normal. Hein, et on va la faire en let's play classique. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.